Il a joué avec un ami. Ah si! Consti, t'as un Rakeu, tu me l'échanges ton Rakeu contre le mien s'il est pas trop level up? T'as un Rakeu à m'échanger? J'ai le Mew, bolé, je l'ai, Consti, je l'ai. J'ai le Mew. Je l'ai, j'ai acheté la Pokéball. Ouais, il est là, mon Mew. Ah si, donc, mais je peux faire ça qu'avec les amis. Je sais plus si j'étais un ami sur ma Switch, Consti. Si t'as un Rakuu à m'échanger qui est pas loin de mon level, je suis preneur, hein. Ou même si c'est un peu plus bas, c'est pas grave, je pourrais l'XP. Ok, merci. Parce que là, franchement, j'aimerais bien voir mon Grolem, hein. Ah, toi aussi, Maître 7, t'as le jeu? Ah, désolé, je savais pas que t'avais le jeu, Maître 7. Excuse-moi, maître C. Oh, j'ai trouvé du premier coup, les deux. J'étais persuadé que la poubelle rouge et la poubelle bleue, c'était... je dis, ils ont simplifié le système. C'est la poubelle rouge et la poubelle bleue qui ont un interrupteur, mais non. Alors, on fait une petite sauvegarde devant le champion. Bienvenue à l'arène de Carmin-sur-Mer. Ici, on pose son bardeur, on se prépare au combat. Ma parole, un Rocky Kedar, ça j'ai les portes ouvertes ou quoi? Tu oses me défier avec ton petit niveau, t'as pas froid aux yeux, soldat. Si, mais je m'en suis plus souvenu, tu vois. Si, je l'ai lu, mais ça m'est sorti de la tête. Qu'est-ce que tu crois, les combats Pokémon, c'est la guerre. Compte tes dents, tu vas morfler. Mes Pokémon électriques vont t'atomiser. Si, je l'ai lu, mais tu sais bien que j'ai une mémoire de mer, Maître C. Tu sais très bien que j'ai une mémoire de merde. Depuis le temps que tu me regardes, tu sais très bien que j'ai une mémoire de merde. Vas-y, fais destruction que je rigole. Ah, GG. Bah, je m'intéresse pas au shiny, donc... Et les champions d'arène ne remplissent plus leurs Pokémon. Bah ça va simplifier le jeu. Tu sais que si tu gardes le Rakuu que je te filerai, il XP-era plus vite. Il XP plus vite que le tien. Tu le sais. Et Gravalanche évolue dès qu'on l'échange, en fait. Gravalanche évolue dès qu'on l'échange. J'ai pas besoin de l'XP, il va évoluer dès que je te l'aurai échangé, en fait.
veux voir quelle technique il a. Bête. Ah putain, il a double pied, bien sûr. Bon bah rip. Je peux rien faire. Je vais envoyer qui? Un Pikachu contre un Raichu. J'envoie Ortide. Vu que... Ouais, on va essayer avec Ortide. Je savais qu'il aurait double pied. Putain. Le spamage de vive attaque. Ouais, bon bah c'est pas avec ça que j'aimerais gêner, hein. On va essayer la poudre de dos, hein. Ah bien sûr, il a esquivé. Regardez là quoi ce que j'ai. Ah la poisse que j'ai quoi, il a esquivé la poudre de dos quoi, j'ai pas de chance. Bon bah on y va, Pikachu contre Raichu, hein. C'est le double pied qui me pète les couilles en fait. C'est pour ça que j'aimerais bien un sablette en fait. Ça m'évitera de me faire massacrer par les types comme lui. Ah non, non, gardez l'ancienne capacité. Allez, changer de Pokémon, on va envoyer Salamèche. Putain, il m'a one shot. Sérieusement? On espère qu'il me fasse une attaque foudre. On espère qu'il me fasse une attaque foudre. Ah bon bah rip hein, mon racaillou hein. Un point de vie. Bon Magikarp, j'ai besoin que tu sers de sacrifice. Ah si, mais je la joue con, donc... je la joue très con, hein, tu sais, hein. Je la joue très con, tu sais, hein. Bon, bah, un peu les couilles, hein. Là, je fais mumuse, là. Et je suis underlevel, hein, j'ai envie de te dire... Ah aussi, je suis à mort underlevel avec tous mes Pokémon. Ces Pokémon sont niveau 25. Moi, je suis à peine dans les niveaux 20. Fight 3. Étant donné que je ferme pas l'XP, la flemme. Ah possible, t'es vraiment trop fort gamine. Ouah, t'as génusé toute ma team parce que je la joue très con. Parce que je m'en bats les couilles. Ouah, tire à loin toi, tiens, prends bâche foot, c'est mérité. Et c'est pas tout, quelqu'un de succès que toi mérite bien recevoir ce bonus, prends soin. J'en fais quoi de ta dédicace? Ah, c'est terre dessus, t'attendais autre chose? Oui, NCT. Ah, je blague, ça là, tiens, cadeau.
Oui, mais cette CT ne sert à rien, je la prends tonnerre automatiquement. Ah, c'est une un Pokémon électrique. Ouais, bah je l'ai déjà apprise, tonnerre. Hein. Je te dis, je la joue très con, donc... je veux un sablette. Je vais te prendre un tout piqueur parce que franchement, le type roche, face à un Pikachu ou un Raichu, je me fais défoncer. Alors, Ondine, tu vas pas me faire chier, hein. Me vois pas! Tiens, ça y est, femme, c'est bon, t'as gagné comme la Gerva, toutes mes félicitations. Tu progresses à pas dire, laisse-moi chuchoter un peu ton équipe. Ouais, je veux bien. Ouais, je le veux. Merci pour le soin. Hein, qu'est-ce que je sais, je vais piquer une tête dans la mer, pardi. Les piscines, c'est bien beau, mais fais vite le tour, si c'est ce que je veux dire. J'aimerais bien voir rien en profitant des vagues. Et toi, tu vas où comme ça? T'as fait un tour dans le grand piqueur en fait. Si tu vas pas aussi, je peux te emmener, ça te dirait. Non, c'est bon, laisse-moi. Si tu veux pas, bah pas, hein, je vais pas te forcer. Voilà, 3 Pikachu. Le code c'est 3 Pikachu si tu interagirais avec moi. Mais je sais plus si je suis un ami. Ouais, je suis avec un japonais, mais je m'en bats les couilles du japonais. Mais c'est con! Jouer avec un ami, c'est pas un ami à moi! Bon, Pikachu, Bulbizarre, Topiqueur. Ouais, oui, t'inquiète, maître, on fera l'échange après. Y a pas de problème, on fera l'échange après. Voilà! Ah oui! J'en ai eu deux! C'est parce que j'ai joué à la version rouge-cheux. Mais dans la version rouge-cheux, ou même dans les autres trucs, dans mon site, mais en fait, faut fouiller au sol. Dans certains, tu as des endroits où tu as des cratères. Tu vois, dans des endroits où t'as des cratères, tu peux avoir des items, c'est que j'ai mes pierres lunes. Ou sur des rochers qui dépassent, tu vois, qui sont au milieu de la map et qui dépassent. C'est comme ça. Et je connais ça à cause de la version rocheuse, grâce au cherche objet. J'ai relevé toute la map. Le moins, alors, maître, c'est Pikachu, Bulbizarre. Carapuce. J'ai changé avec Conti un viewer qu'il y a sur sur Room Station. En plus, j'ai la chance, j'ai trouvé un Melodelf direct, évolué. Donc maintenant, il ne reste plus que le rond doudou à faire évoluer avec une pierre lune, comme ça j'aurai un gros doudou.
Ouais, c'est concis, ouais. Ouais. Vu que toi t'as pris oui, c'est peut-être un gros doudou que tu trouveras. Ah bon? Ça te vénère dans la tête au piqueur. Ah bon? Carrément. Rien. Cher à ça, si vous voulez un Pokémon que vous avez besoin de faire évoluer, bah on s'échange. Et si y a un Pokémon que vous avez besoin de faire, que j'ai besoin de faire évoluer, bah on l'échange quoi. Après, j'échange pas avec des inconnus hein, non plus. Hein. Si je veux un Pokémon qui évolue, j'échange pas avec un inconnu car je suis pas sûr qu'il revienne. Toi, maître, sais je te fais confiance. C'est pour ça que j'ai accepté. Et tu sais, tu pouvais me faire confiance. Mais par exemple, un mec random qui arrive, tiens, tu m'échanges machin. Je peux lui faire un vol sur Pokémon, je le rendrai parce que je m'en bats les couilles. Mais moi, dans le sens inverse, bon, il y a des chances que ça arrive pas. Bah si, la preuve que si, je t'ai changé un truc. Bon, est-ce que je garde mon racaillou ou je vais passer sur un topiqueur pour pas avoir la faiblesse au type combat? C'est ça le truc. Ça m'énerve, je me prends un double pied dans la tronche, j'ai mal. Ah mais je veux dire que vu qu'il m'a échangé son Grelin, il m'a fait confiance. Non, c'est pas lui, non, il s'appelle Conci même sur Twitch. Bon, j'ai aussi les adresseurs là-bas ou je vais déjà retourner en arrière pour faire du découpage d'arbustes. Ouais, il paraît que ce sont des Pokémon qui ont creusé ce tunnel. Si j'obtiens si je prends un Pokémon au lieu d'un Raikou, je sais comment je vais l'appeler. Hein. J'ai déjà mis des noms à la con, moi. Hein. Surtout quand elle sera trop piqueur. Je vais l'appeler Couille. Oui, ok. Ah non, il s'appelle Conci. Il s'appelle Conci. Hein.
Le Pokémon Beat. Il y a même des Dinosauraptifs ici. Là, quand tu vois des petits rochers comme ça, il peut y avoir des items dedans. Ah ok, bah merci d'être passé, concis, merci pour un caillou, à la prochaine, hein. Et y a pas un tropiqueur qui traîne? Ah bon, il est niveau 18? Ah ouais, bien vu, Destruction. Alors, Nosferatu ne peut pas évoluer au-dessus, car Nostanfer, c'est un Pokémon d'une autre génération. Nosferatu, il est au maximum. Et il évolue par bonheur, mais tu pourras pas le faire évoluer. Nostanfer, il n'existe pas dans la première génération. Ah, pour affronter les types psy, morsure, pratique. Bon, là, je peux pas le faire sortir de la Pokéball. Il est un peu gros. Bon, apparemment, il y a des levenards ici. Ouais, aux insectes, mais j'ai pas de tic-tic type insecte pour l'instant avec. Avec Papayon, j'ai pas encore de technique de type insecte. Ouais, bon, bah, le levenard, hein, tant pis, hein. Je veux pas se montrer les petits cons donc. Eh merde. Et il paraît qu'il est encore plus sombre que celle-ci. Oh là, c'est un match, un essence de préférer chaîne quelque chose, donc il sera justement quelque chose de puissant à te montrer, mais pas ici. Une endroit d'aura plus sombre. Que voulez-vous me faire, monsieur? Alerte pédophile, alerte pédophile. Retrouve-moi à l'intérieur. Allez, allez, texte tendancieux de ce jeu. Oh, j'adore. Les textes légèrement tendancieux.
Ah, je suis donc ça là, il faut absolument que tu vois ça. Après des années d'efforts, j'ai juste d'avoir une illumination. J'ai enfin réussi à découvrir la technique secrète lumière. Je vais te montrer, mais d'abord, il faut éteindre la lumière. Voilà, il fait tout noir, c'est parfait. Ta gueule, il va faire tout noir, ta gueule. Alors, il suffit de faire la vie dans son esprit, de respecter profondément, de rassurer le monde autour de toi, pour que même l'obscurité la plus profonde fasse place à la lumière. Et surtout, n'oublie pas, c'est toi qui ouvrira la porte de la lumière. T'as vu un peu ça? Ça t'embouche à quoi, hein? Il n'y a pas besoin d'exister pour y voir clair, il suffit d'avoir une force mentale à toute épreuve. Mon aura inonde la salle de lumière, tu veux que je t'apprenne comment faire? Oh, ton Pikachu apprend la technique? Quoi, il connaît déjà la test rechange? Alors, je comprends pourquoi Professeur Chen disait que ce n'était pas un Pikachu ordinaire. En tout cas, ça promet d'être assez moins noir si tu peux mettre ma technique. J'éteins la lumière. Vas-y, petit Pikachu, fais comme moi, fais le vide dans ton esprit. Respire profondément. Ressens le monde autour de toi. Et que l'obscurité fasse place à la lumière. Bon, bah voilà! Ton Pikachu est décidément un vrai petit génie. N'hésite pas à faire appel à ces techniques secrètes. Ce ne sont pas des capsés ton père Len, puis c'est même s'il n'a plus la force de se battre. Si tu es à pour traverser la grosson facilement, tu sais la grotte à l'est d'Azuria. Oh non, Fatal Food n'est pas OP sur mon Pikachu. Mon Pikachu a plus d'attaque que d'attaque spé. Donc, Fatal Food, c'est pas du tout OP. Et en plus, ça a une très haute chance de louper. C'est bon, la séance, t'as signé la technique secrète lumière, tu gères. Quoi, c'est pas toi qui l'a appris, c'est PKHD. C'est fou quand même, tout ce qu'il sait faire. En tout cas, je connais un nom, je connais un coin où cette technique pourrait bien tirer. C'est pas l'un truc que je t'emmène. Non. T'es sûr, ça va aller? Oui. La route, je vais te dire où c'est, comme ça, tu pourras pas tomber. C'est pas sorti, tu sors d'Azura par l'aise et tu suis la route. Au bout d'un moment, tu vas tomber sur un peu qui dégrade son celle-là. Fais attention, amuse-toi bien. Laisse-moi ouvrir mes chemins. Mais c'est à dire point de combat, tu vas t'en souvenir, point de combat. Waouh. L'idée secrète, c'est trop cool. Tu peux essayer, toi? Non, mais mon Pikachu peut. Ah, une pierre plante! Pour faire vouer mon Ortide? C'est une pierre plante ou c'est une pierre soleil? Je sais plus. Mon Léviator, il sort pas un peu de sa Pokéball un jour? Depuis tout à l'heure, j'ai pas réussi à faire sortir Léviator. Hein. Je crois qu'il est trop gros. Je crois que Léviator, c'est un peu trop gros. C'est un peu too much. Ah si, c'est Pierre Plante pour le faire évoluer. Mais on va attendre un peu avant de le faire jouer. On va laisser prendre quelques levels. On le fera évoluer plus tard. Je crois que mon Léviator est un peu trop gros pour sortir. Y a pas assez de place. Salut marin. Merci pour le follow. Je crois que mon Léviator est trop gros. Le jeu apprécie pas. J'ai le droit de faire sortir mon Léviator? Le jeu est pas mal, mais à mort casualisé, quoi. Le jeu est pas mal, il est beau, mais bon... il est un peu trop casualisé, hein. À mon goût, hein. Tu me redonnes une grande perle, toi? Bien sûr. Vas-y, file-moi du fric. Ouais, j'ai mis l'option sortir de Pokéball, mais je crois qu'il est trop gros. Je crois que mon Léviator est trop gros. Il est trop gros, je peux pas le faire sortir. Il faut une zone dégagée à la mort, je crois, pour pouvoir le faire sortir.
Ah, t'as pas de Switch. Ah, rip. Bah bon, c'est sûr que le jeu a été très qualifié, donc... mais bon. J'adore la première génération de Pokémon, donc... Les secrets de l'espace mystère de la Terre, il y a tant de choses que nous ne comprenons pas encore, mais ça doit nous motiver à apprendre davantage. Nous avons plusieurs fossiles Pokémon prescrits, dont nous sommes très fiers. Ce ne rêverait pas, mais je crois qu'il y a des traces d'ADN de Pokémon dans ce morceau d'ambre. Ce serait dans ces sorties caractères si on pouvait reconstruire un Pokémon à partir de ça, non? Mais personne ne m'écoute ici. Bref, j'ai une faveur à demander. Apporte ce morceau d'ambre à un labo Pokémon pour faire Xanier. Ouais, c'est que sur Switch, ouais. Ça, c'est pour avoir Terra. Alors comme ça, on se suit par la porte du fond pour essayer d'entrer sans payer. Bien tenté, mais c'est raté. Mais puisque tu as... sais-tu ce que c'est l'ambre? Oui. Les inventeurs ont essayé de repousser des Pokémon prescrits grâce à des informations génétiques contenues dans des morceaux d'ambre. Bon, je vais pouvoir monter sur mon Léviator un jour ou faut que je sois en haute mer pour monter dessus. Ah mais dites-moi pas que j'ai pas la place pour faire sortir un Léviator. J'aimerais faire sortir un Onyx. Mais dites pas que le Léviator est encore plus imposant que Onyx. Attends, mais si je passe par là, je vais repasser par le Mont Sélénite. Ouais, non, faut que je bouge de chemin. Faut que je repasse par la cave Topicker. J'ai pas vraiment envie de me retaper le Mont Sélénite, hein. Ouais, c'est ce que je pense aussi, mais bon, ça me fait chier. Je voulais me voir chevaucher mon bon... Mon grand et gros Léviator. Oui, je fais exprès d'utiliser des termes légèrement tendancieux. Parce que c'est une fille. Oui, je fais exprès. Bon, est-ce que je prends... Je vais plutôt prendre Topicker. Topicker, il est où Topicker? Topicker, Topicker. T'as quoi comme technique? Ok, il a même pas une seule technique de type sol. Bon, je peux lui apprendre tunnel au pire, mais bon. J'ai hâte d'être à Lavandia pour la musique de Lavandia. Oui, non. Alors, téléphone, tu fais de la merde. Renfous-moi le chat. Non mais tombe pas enculé de téléphone. Merci. Culé. Non mais sérieusement, d'où c'était pas dessus là. Ah putain, le seul truc que je trouve à chier dans le jeu, c'est la capture. Franchement, j'ai du mal. Chaque fois, les Pokéballs, elles partent dans tous les sens avec moi. À chaque fois, les Pokéballs avec moi, là-dessus, je suis pas doué. Le seul truc que je trouve à chier, c'est la capture de Pokémon.
mais non, mais lâchez-moi les topiqueurs. C'est quelle est la meilleure route? La route longue, parce que ce qui est mieux que d'être numéro 1, c'est être numéro 2 deux fois d'affilée. Ah, cette... Ça te dirait d'être misère à côte? Me faire écraser, ouais, ça dépend de ton level. T'as qu'un seul Pokémon, donc j'en ai 6. En plus, il m'invoque un pauvre Ratata. Le mec, il m'invoque un pauvre Ratata, quoi. Bon, il est quand même niveau 21, mais... Va en voir la tête de... Va en voir la tête de mon Léviator. Voir à quel point il est gros. Ouais, à mon avis, il n'y a que dans la flotte que je peux le sortir. Ouais, il n'y a que dans la flotte, à mon avis, qui peut être sorti. Hein, ouais. Parce qu'il n'est pas si gros que ça. T'es plus fort que je le pensais. Alors comme ça, comme je suis sauvage, je vais te donner un truc. 5 bombes Pikachu. Ok, ça donne un Pikachu. Donne un bon Pikachu. Un Pikachu deviendra très fort. Tu peux tenir du bon oxygène à un Pokémon particulier en attrapant des spinels sur son épée. Ça le tracera au professeur. Oui, ce que Maître CM m'explique depuis le début que j'utilise pas. J'en ai pas. Tranquille. Ok, j'ai pas lancé assez fort. Mais non, mais sérieusement, ça me fait chier cette détection de merde. Oh putain, il fallait qu'il esquive pour une fois que j'avais lancé correctement. Oh putain. Voilà, c'est le seul truc qui me fait chier dans le jeu, c'est ça. Mais sérieusement, mais va te faire foutre, enculé. Oh, il a fui. Ah, c'est ça le truc caché, c'est ça. Ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal, je trouve. Hein. Ça fonctionne mal, la capture. Hein. Je balance, j'ai mon Joy-Con, il est bien droit, mais ça part à l'ouest. Le truc, ça part à gauche, ça part à droite, ça part où tu veux. Et pas là où je lance. C'est juste le seul truc que je n'apprécie pas dans le jeu, c'est ça. C'est vraiment de la merde. Mais la détection de mouvement que j'avais sur lui était pas autant à chier. Sur lui, j'ai jamais eu de problème sur lui au niveau de la détection des mouvements.
quand je joue à Skyward Sword, bah moi j'en ai. Je sais pas, c'est peut-être à cause de tous les trucs qu'il y a devant. Oh putain, double pied. Voilà pourquoi je vais prendre un topiqueur. Le double pied me pète les couilles. Il se fait défoncer. Moi, je sais pas, c'est peut-être parce que quand j'ai des cartons devant moi, plus le micro, ça fonctionne pas. Pourtant, quand je jouais à Skyward Sword, j'avais la même installation, et j'avais aucun problème. Bon, le capteur infrarouge est en hauteur, que ma Switch, elle est en bas. Elle est pas alignée à la télé, la Switch. Mais normalement, ça devrait pas influencer. Moi, je peux dire que j'ai des problèmes. Il y a des fois j'aurai aucun problème, puis il y a d'autres fois. Bah non, je vais prendre un. Je vais prendre un topiqueur parce que ça m'énerve. Dès qu'il y a un double pied, je me fais défoncer. Ça m'énerve. Qui a le plus d'attaque ? Il perd en vitesse. Il a une meilleure attaque, lui, donc c'est lui que je vais prendre. Dégage, Rakaïou. Tu me pètes les couilles. J'ai peut-être à prendre une bulle sur mon Léviator. Donc ça aura une tactique de type O. Ah, ça marche pas en même temps, vu où ça balançait. Mais voilà, ça part à droite. J'ai mon Joy-Con droit et ça part pas droit. Ça a abusé. Ah, faut que je recalibre le Joy-Con ou quoi? Recalibre le Joy-Con parce que ça me pète les couilles. Vous, si vous dormez tout le temps près de lui, il partira parfois avec vous les rêves qu'il a dévorés par le passé. Mais chier, je vous perds Ratatak à cause de ça. Merci d'avoir esquivé.
Non mais, il aurait pas dû être KO. Il aurait pas dû être KO hein. Il me restait 16 points de vie, 16 fois 2 ça fait 32. Il y a un problème là. Il y a un problème, Tokyo Power aurait pas dû être KO. Il avait 16 points de vie. Il me restait 16 points de vie. Donc si je multiplie les points qui me restent par 2, ça fait 32. Donc logiquement je devais résister avec 3 points de vie. Le même avait fait que 13 points de dégâts, j'étais à 29. Donc une attaque me laisse avec plus de la moitié de mes points de vie, la seconde attaque qui fait exactement les mêmes dégâts ne peut pas me tuer normalement. RNG de merde. En gros, faut que je recalibre à chaque fois que j'éteins ma console ou quoi. Merde, un peu trop lent. Le cercle est grand, ça passera pas. Non mais sérieusement, le cercle était tout petit. Putain, j'en ai chier pour capturer sa propre attaque hein. Et te piquera pas de défense, putain merde. Compliqué. Te piquera pas de défense. Donc il se fait violent en 2 secondes. Contrairement à mon racaillou qui... Allez, 35. En même temps, mais avec eux, j'affronte quoi? Je peux affronter des types poisons. Je peux affronter des types électriques. Oh, je vais garder le racaillou, puis merde. Hein. Oh, oh. Oh bah tiens, un Goopix, ça tombe bien. Le racaillou va pouvoir serrer les dents. Oh putain, je l'ai pas régène. Thank you.
Ouais, génial, onde de folie. Oh! Le point de vie, quoi. Ah, il a pas charge! Putain! Ah, putain, il utilise des guérisons, sérieux. Bon, je vais me louper ou je vais me prendre quoi? Soit je me loupe ou soit... Ah, je suis plus confus. Oh, bien sûr, il a esquivé, mais va te faire foutre! Mais sérieusement, mais cette poisse! Il a esquivé, bien entendu! Ah, sinon, c'est pas drôle! J'ai de la chance, Confusion n'a pas proc une seule fois du combat. J'ai vraiment de la chance là quand même. J'ai vraiment de la chance. T'as pas proc une seule fois. T'as abusé, ça pas proc une seule fois. Je suis assez étonné. Bon, on va voir si elle a changé de réplique, vu que je suis déjà passé à la casse au piqueur, mais non. Ah, mais non! Foiré de ratata! J'essaie de refaire monter un peu de level mon mon racaillou vu qu'il est en retard. Thank you.
Oh, mais sérieusement! Ça me fait chier la capture, hein. Ah, ça me fait bien chier la capture, hein. Je pense de la même manière, mais il y a des fois ça part à l'ouest, puis il y a d'autres fois non. Je comprends pas. Je ne comprends pas. T'as voulu à quel level un racaillou mettre C au passage? Meurs avec ton ultrason. Ouais, je vais apprendre Bélier pour qu'il ait... Ah, mais Bélier, ça a même pas de précision. C'est encore moins précis que j'ai de pierre. Sérieusement. Non. Je voulais apprendre Bélier pour avoir une technique pour achever quand j'ai besoin d'achever avec très peu de points de vie. Et je l'ai pas. Un niveau 25, peut-être jackpot, attends, je veux voir jackpot. Si tu peux apprendre jackpot, c'est peut-être le truc. Je vais peut-être lui apprendre jackpot à mon racaillou s'il peut. Fuck. Coup de boule. Ah, précision 100, je lui apprends coup de boule. Voilà. Je lui apprends coup de boule à lui. C'est puissant et en plus... C'est précis. C'est 100%.